parce qu'il faut le relever. Le Cameroun est passé juste à côté d'une suspension et le Cap-Vert aurait pu gagner ce match sur tapis vert parce qu'il aurait fallu que Samuel Eto'o décide en tant que président de la fédération que parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été respectés, il décide de poser cela sur la table de la FIFA et que ce matin, on ne serait pas en train de jubiler. Ça, c'était la première des choses. Vous avez vu tout ce qui s'est passé autour du banc de touche. Et je regrette malheureusement parce que hier, on a privé les Camerounais de savoir, en réalité, pour ceux qui n'étaient pas au stade, quel était réellement le banc de touche qui accompagnait Marc Brice. Hier, vous avez regardé que tout au long du match, on n'a pas pu apprécier cela. Et beaucoup de Camerounais sont restés une fois de plus dans les supputations. Il y a quelques photos qui ont circulé de ceux qui étaient au stade, mais vous voyez le flou continue à planer autour des lions indomptables. Et la victoire, elle est arrivée. Vous avez vu la tribune. On a vu que ce soit le MINICEF, que ce soit la primature ou bien encore le président de la FICAFOOT, Samuel Eto'o, jubilé. Après, il y a quand même cet instinct patriotique qui nous rappelle que chaque fois que le vin rouge est secoué, on se sent interpellé. Tout le monde a jubilé, mais nous avons vu une belle équipe avec, j'ai personnellement apprécié le jeune Baléba qui est venu combler un vide dans notre équipe. Aristide Manda, vous également, est-ce que vous pensez que la victoire d'hier, la belle victoire d'hier pourrait faire reculer les vieux démons qui semblent s'être emparés de la sélection nationale? Vous le dites si bien, la belle victoire d'hier. En remportant précisément la belle victoire d'hier, les lions indomptables nous ont plongés dans une euphorie semblable à celle de juin 1990. Il vous a peut-être échappé la coïncidence. Non, non, bien sûr. C'est le 8 juin, Milan. Le 8 juin, bien sûr. Que François Mambi, le goleador, a soulevé le Cameroun sur le toit du monde. C'est un 8 juin. Qu'on assiste, entre guillemets, à la renaissance, pour ainsi dire, de notre football. Veille du 9 juin. Nous sommes le 9 juin. Notre patron est encore là. Alors, ce que je voudrais dire, qui est très important, c'est que les Lions ont rempli leur partition. La balle est dorénavant dans notre camp pour nous permettre d'aplanir les différents incidents qui ont émaillé cette campagne qui, à la vérité, ne devrait pas survenir. Nous sommes donc chauvins au jour d'aujourd'hui. Nous exultons de joie. Au jour d'aujourd'hui, il est question de savourer cette victoire parce que, voyez-vous, nous revenons de loin. Pour nous qui étions au stade, nous en avons coutume. On voit bien que lorsqu'il y a victoire, vraiment, nous l'avons souvent dit, je ne sais pas si c'est le Fulbe qui est près de moi ou le Bassa. C'est un moment fabuleux, exceptionnel. Et je comprends, à juste titre, pourquoi il est souvent venu au président Biya, comme il l'a dit, justement en juin 90, comme nos lions indomptables en Italie. C'est un ferment. Il contribue à affermir, à cimenter notre unité. Même si, et comme on a coutume de le dire, le football ne développe entre guillemets un pays, mais c'est relatif. Parce que les états d'âme sont en fonction, parfois, de la victoire des Lions. Imaginez-vous un temps soit peu, qu'hier, nous n'avions pas eu cette victoire, combien la classe aurait été divisée. Je voudrais donc rendre hommage aux autorités gouvernementales qui ont pris la responsabilité. Je voudrais rassurer mon voisin qu'il ne s'est point agi de balkanisation ou de clanisme, au contraire. Le contexte auquel on a eu droit, c'est de n'être un résulte de l'attitude du président Biya lui-même, qui a instruit à son gouvernement de voir dans quelle mesure on pouvait faire mieux. C'est alors que le ministre des Sports a pris ses responsabilités avec la Fédération de Cameroun de football pour que nous trouvions un staff charismatique qui puisse redonner la joie au cœur de son peuple. Après avoir dressé ce constat, nous ne sommes plus dans la polémique. On voit bien, et nous devons nous en réjouir, qu'il y a une forme de renaissance sur laquelle il faut s'appuyer pour continuer dans ce chantier. Professeur Jean Baïbek. Non, moi, dans cette affaire... C'est la même question qu'Aristide. Oui, c'est la même question. On a cette victoire. Je voudrais saluer en premier lieu nos compatriotes de la diaspora qui nous ont produit de tels enfants. Parce que majoritairement, là, on voit qu'ils sont nés à Prague, à Londres, à Paris. Ils ne sont pas nés au Cameroun, majoritairement.
Donc c'est bien de nous avoir produit ce genre d'enfants, mais surtout de les avoir éduqués, qu'ils ont une meilleure partie pour laquelle ils peuvent s'engager à leur manière. Je pense qu'il faut ça. Parce que cette diaspora-là, notre âge, je crois que la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas diasporiens, tant voilà. Pis pour ceux qui ne sont pas en Europe. Non, non, je dis majoritairement. Qui jouent dans les championnats locaux. Ne me coupe pas. Qui jouent dans les championnats locaux. Mais je vous relance tout simplement. Je vous relance tout simplement, donc, voilà. Qui ne sont pas diasporiens, voilà. qui ne jouent pas en Europe. Diaspora, qui n'auront pas de chance de venir. Je veux saluer mes compatriotes. C'est un autre débat que vous avez. De la diaspora. Je veux saluer mes enfants de la diaspora, qui eux aussi ont suivi leurs parents pour venir s'engager pour notre pays. Et je voudrais maintenant appeler à toute la jeunesse camerounaise, vos compatriotes des Lions et Notables, vous prouvez que malgré la situation difficile de gouvernance de notre État, parce que c'est le moins qu'on peut dire, c'est comme qu'il dit là, moi je dis donc ça gentiment. Je dis que au moins on a une gouvernance difficile. Je vais être gentil pour qu'on puisse discuter. Quand un gouvernement d'un pays est difficile, ça n'empêche pas à la jeunesse d'avoir de bons résultats. Et que ce que je souhaite, c'est qu'on ait de bons résultats comme ça, non pas seulement dans le foot, dans l'éducation, dans le travail, dans la production, en attendant que la démocratie ou bien la providence nous donne une bonne équipe gouvernementale. Il n'est pas question de démissionner. Il est question de se battre pour tenir le pays, bien que la gouvernance ne soit pas bonne. Et je dis à tous allez, regardez bien les Angolais. Parce que vous allez là dans un pays, et je vous encourage à les battre. Mais surtout à observer l'Angola, là-bas. Ils ont la chance d'avoir eu la vraie indépendance. Ce n'est pas un toutou qui était dernier à qui on a remis le pouvoir. Non, c'est qu'on s'est battu à ma main. Et ils doivent au Cameroun, rappelez-leur, d'avoir au moins contribué, sinon d'avoir été déterminant, leur indépendance. Wumuli Armama. Wumuli Masaka, le commandant Kisamba. C'est lui qui aide à battre le régime néocolonial, soutenu par l'apartheid, par Bota, de Jonas Savimbi. C'est comme ça qu'ils ont au pouvoir, dès leur indépendance jusqu'à aujourd'hui, une équipe nationaliste qui a des résultats. C'est quoi leur résultat? Leur résultat, c'est que ils ont leur monnaie, le Kwanza. Leur monnaie n'est pas fabriquée au Portugal. Un, deux. Ils ont des entreprises qui sont en train de recoloniser le Portugal. Ce n'est pas l'inverse que Total vient ici, les brasseries, comme c'est la première entreprise privée au Cameroun, entreprise coloniale, détenue par M. Castel, qui pille et qui accolise le peuple. Parce que la FIFA a été configurée, les règles de fleurs sont configurées pour des pays très avancés, très évolués, dans lesquels le football ne joue pas le même rôle politique et dans lequel l'État n'a pas la même emprise. Oui. Or, quand on configure donc la FIFA, les règles de la FIFA sur ce modèle, il se trouve que dans un pays comme le Cameroun, ces règles-là seront mises en défaut. Bien lui, le 10 février, il dit, moi j'attends, parce que j'assume les résultats du point de vue politique, j'assume le sort des Lions. Quand les Lions gagnent, ça apaise mon peuple, ça me permet, ça me donne beaucoup de marge. Donc, je ne peux donc pas faire comme si c'était quelque chose d'extérieur à la politique. Comme on lui demande à la FIFA. Maintenant, lorsqu'il donne ces instructions, le ministre les relaie. Le ministre estime que c'est une tutelle. Bon. On peut-être dire des choses sur la manière de faire. Mais on ne voit pas très bien comment le ministre pouvait échapper à fracturer l'autonomie de la FECAFOOT avec les institutions bidébia. C'était très très difficile. Parce que quand il y a gronde, il n'est pas content. Il gronde qui? Il ne gronde pas
la FIFA Foot. Il gronde le ministère. Et qu'est-ce que le ministère va faire? Il ne va pas croiser les bras en disant, comme la FIFA Foot est protégée par la FIFA, je n'ai rien dit. Je crois que le vrai problème, c'est qu'il a manqué une vraie compréhension entre les autorités de la FIFA Foot, qui ont aussi fait l'erreur de se braquer sur leur exceptionnalité juridique. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ils ont voulu profiter des deux. Ils profitent du fait que nous sommes un pays sous-développé dont la fédération vit de l'État, des ressources de l'État. En même temps, ils veulent prouver leur côté en disant nous sommes extérieurs. Dans l'équipe nationale vit des ressources de l'État. Il y a une différence. Oui. La FECAFOOT ne vit pas des ressources de l'État. Parce qu'il n'y a pas de subvention de l'État pour les fédérations. En tout cas, de toute façon, le vrai problème est là. C'est-à-dire, comment concilier dans notre contexte camerounais. Il faut un ministre faire. Comment concilier les exigences politiques que doit respecter la FECAFOOT et qui renvoie aux préoccupations du gouvernement avec les exigences internationales imposées par la FIFA? Comment concilier? Je crois que c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. C'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Et comme nous avons d'un côté une bureaucratie particulièrement bornée arrogante. Et de leur côté, une FECAFOOT elle-même très corporatiste, n'est-ce pas, s'accrochant à ses privilèges de corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pont. Dans cette histoire, le ministre ne pouvait pas rester les bras croisés, mais peut-être qu'il est parti trop loin, n'est-ce pas, en profitant de ces instruments pour essayer de récupérer des idées. Et se substituer à la FECAFOOT. Je crois que c'est la substitution. Et c'est pour ça qu'il faudrait véritablement, je ne sais pas s'il faut une assise. Regardez bien le rôle de la Convention. Normalement, les gens ne comprennent pas bien le rôle de la Convention. La Convention aurait dû être justement le lieu de transition. C'est-à-dire le cadre qui tropicalise en fait la FECAFOOT, la fédération. C'est-à-dire, compte tenu de notre contexte, parce qu'on ne peut pas appliquer les règles des fédérations occidentales, qui sont en quelque sorte érigées en règle universelle par la FIFA. On ne peut pas. Sinon, ça ne marcherait pas. Absolument. De l'autre côté, on ne peut pas faire comme si la FECAFOOT était une simple tutelle. Il faut donc trouver un moyen. Et c'est là que la Convention aurait dû jouer un rôle central. Malheureusement, je ne sais pas quel est le statut qu'on a donné à cette Convention. Donc il faudrait, encore, à mon sens, pour régler ce problème, il faudrait relier la Convention et incorporer ces deux préoccupations. À savoir que, quoi que la FECAFOOT bénéficie d'une stratégie juridique, elle a des missions de service public qui ont une forte dimension politique du Cameroun. Et la FECAFOOT ne peut pas dire au gouvernement que je m'en fous de tes postures, puisque c'est le gouvernement qui assume les résultats du football. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre jeu pour qu'on soit encore plus meilleur qu'on ne l'a été face au Cap Vert? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir à fois sur le match Cameroun-Cap Vert, victoire des Lions et d'Ottawa. 4-1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour les patchs. Alors, victoire du Cameroun 4-1 les amis. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Déjà les amis, ce que moi j'ai aimé, je vais commencer par Marc Brice. Marc Brice les amis, moi je trouve que j'ai l'impression, c'est mon avis de l'extérieur, j'ai l'impression que il a la main sur son groupe, il a la main sur la composition, il sait là où il va. J'ai en image, en conférence de presse, lorsque on lui pose la question, pourquoi il a fait sortir Carlos Baleba et pourquoi il n'a pas fait jouer Choupo-Moting, il a dit, c'est simple, je fais le choix. Je suis le coach, c'est moi qui fais le choix.
Ça prouve à quel point il a du caractère, il a de la personnalité, et c'est lui qui a son groupe, c'est lui qui fait la composition des équipes, c'est lui qui fait ses choix. Il fait ses choix et c'est très important, les amis. Après, si ça tourne aussi mal, on va le juger, on va le critiquer. On va le critiquer, mais pour l'instant, ça paye, ses choix payent, ça a payé au moins contre le Cap Vert. Et ça, ça m'a vraiment, ça m'a intéressé parce que on voit enfin un coach qui a la même mise sur ce jeu, qui a la même mise sur la tactique. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je voulais parler des joueurs, notamment le cas Mike Ngadou. Mike Ngadou, il a envoyé un message fort. Il a envoyé un message très très fort, les amis. Un garçon qui a été banni, entre guillemets, de la sélection. Il a été banni de la sélection. Il arrive, il marque un but, il donne une passe décisive à Ntolo. C'est vraiment incroyable. Et à la limite même, j'ai envie de dire, c'est le karma. Hein. C'est le karma pour les gens qui l'ont banni. C'est le karma, les gars. Puisque, à la limite, il n'a presque rien fait. Je pense que c'est lui qui avait fait la déviation pour Kato et Kambi à Blida. Et tout d'un coup, on les carte comme ça, on les bannit de la sélection. Pourtant, il n'a quasiment rien fait. Pour moi, c'est vraiment un message fort. C'est un peu comme le karma. Je ne suis pas en train de dire forcément qu'il doit être titulaire tout le match parce que on connaît ses lacunes, notamment sur le plan défensif, sur la vitesse, il n'est pas assez rapide. Mais je dis juste que ça a été brusque, les amis. On l'a banni brusquement. On l'a banni de la sélection très brusquement, même. Très, très brusquement. Pour moi, c'est un cadre. Et tout d'un coup, on le bannit comme ça. Il est arrivé, son retour, il met un but, il donne une passe décisive. C'est vraiment un message très, très fort. On a également vu des garçons intéressants comme Carlos Baleba qu'on ne présentait plus. Pour ceux qui doutaient de Carlos Baleba, moi, je voyais ses matchs à Brighton. J'ai vu ses matchs à Brighton cette saison. C'était vraiment un crack. C'était un crack à Brighton, les amis. Donc, pour ceux qui sont éblouis par la performance de Carlos Baleba, ils ne regardaient pas ses matchs à Brighton. Puisque ceux qui ont regardé ses matchs à Brighton ne peuvent pas être éblouis. Il est juste dans la continuité de ce qu'il faisait. Après, tu as les garçons comme les Christophe Roux qui sont toujours propres. C'est monsieur propre. Il joue techniquement, bonne relance. Tu as André Onana en taille patron. En taille patron, les amis. Donc, je pense que cette équipe a montré de la volonté, de la grinta, de l'abnégation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans le pressing, on a vu une équipe qui allait chercher très haut, qui a pressé, qui avait de l'envie. Chose qu'on ne voyait plus depuis. On ne voyait plus ça depuis, les amis. Une équipe qui presse, une équipe qui met de l'intensité. On ne voyait plus ça depuis. On ne voyait plus ça depuis. Donc, c'est vraiment très, très positif. Après, ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Pour moi, c'est la défense, les gars. Pour moi, c'est la défense. On a vu que si les transitions rapides, on avait des lacunes. On avait des lacunes. Après, le coach, s'il choisit de jouer un football offensif, il doit revoir sa chaîne centrale. Il doit revoir sa chaîne centrale. Quand Jean-Charles Castelletto va revenir, est-ce qu'il va préférer mettre Castelletto et Christophe Roux? Il y a aussi une incertitude sur le poste de latéral droit. Le poste de latéral droit, c'est Tchatcha qui a joué. Pour moi, Tchatcha ne m'a pas trop convaincu. Donc, il y a encore plein de petites choses à travailler, notamment défensivement. Il a eu à peine 5 jours pour bosser. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, c'était à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.